Aujourd'hui, on fait du flag football avec plein de copains. On va découvrir ce que c'est pour pas mal de gens. Et bah voilà, c'est parti. Qu'est-ce que je dis comme intro à part ça? Montre ta spirale, montre ta spirale. Regarde. Yeah. Vas-y. J'ai visé celui du haut. Ah, c'est crossbar challenge. Ouais, non, pas crossbar challenge, c'est comme au Pro Bowl. Ok, ok. J'ai visé celui du haut. Celui du haut. Et. C'était vas-y, au montage, au montage, au montage, au montage, tu connais. Vas-y. Comment tu sens les 4 dernières équipes en NFL là? Très impressionné par les Bengals. Joe Mixon, Jamar Chase, ils ont moins parié sur une O-line et plus sur les playmakers eux-mêmes. Déçu par les Cowboys, enfin, en même temps. Ils sont nuls, on les déteste. Je sais pas si t'as vu la prédiction du gars sur Twitter qui a dit comme quoi, enfin il avait fait une prédiction sur chaque année, et cette année normalement les Eagles devraient être champions du Super Bowl. Offense, defense, special team, les gars sont prêts. C'est peut-être pas l'équipe là. C'était favori? Pour moi, c'est les favoris. Un Super Bowl, Bengals, Eagles, il serait tellement sexy. Il y aurait des points, ça scorerait. J'avoue, de ouf. C'est ça que je veux, moi. Outfit check de Léo Sartel, présente ta tenue. Alors, on a un petit top manche longue parce qu'il fait moins de 17. Ici, on a des gants Nike, petit maillot sponsor par la FFFA. T-shirt que j'ai acheté au Texas. Il est vraiment petit. Nike. Ouais, il est petit. Ouais, il est un peu serré. Ouais. L'Eclipse Air Max 95. Ouais. C'était surpris, j'avais pas capté. Il y a des joueurs qui jouent avec des Jordan et tout. Ouais, si. Ils te collent des clips dessus. Ouais, c'est pour le flex. Non, mais ça, c'est de la vraie performance. Regarde comment il performe, montre. Je croyais qu'il faisait que des vidéos, il s'est vraiment joué lui. Non, il joue vraiment. Touche la triche. C'est toi qui as ramené ça. On a ça. Touche. Il a dit touche, j'ai pas mis de crève. Vous les voyez comment les joueurs de foot américain? Des bluffeurs, mon gars. J'ai vu la vidéo. Les Kémé, ils font du yoga sous moins 10 degrés là pour apprécier l'équipe d'en face. Ils font des jumps par-dessus des gens. C'est vraiment les plus grands athlètes de la planète, les mecs de NFL. Parce que nous, on est un sport de bluffeurs, mais eux, ils sont encore au-dessus, frère. Les plus grands athlètes ou pas? Non, fort. En vrai, c'est les mecs les plus impressionnants, je pense. Faut respecter les gymnastes. Je trouve que les gymnastes, ils sont trop sous-cotés. 140 kilos, 2m10 et ils sont mobiles. C'est ce que c'est bouger 140 kilos? Mais nous on a 32 équipes. On a 32 équipes, on parle de mobilité. J'avoue, j'ai dit nous. Qu'est-ce que tu penses des joueurs de foot US? C'est quoi ton avis sur nous? Il y a beaucoup de blaire. Hein. Carrément, il y a des mecs qui révisent leur célébration. Le pire, c'est quand il y a une action, quelqu'un marque, il y a des gens qui sont sur le banc qui viennent célébrer avec. Voilà, je savais même pas. Et au basket, nous, vous captez les mecs du banc. Ils prennent technique. Ils sont comment? Ils prennent technique. Ils font du bluff. Vous allez vraiment. Nous, on va sur le terrain. 1500 personnes. Il y a 1500 personnes qui attendent pour le grand Rex. Bah, le reporter, mon ref. C'est vrai, on dit le grand Rex, il prend pas. Si, il peut prendre. Mais ah, ça donne des souvenirs. Hein. Merci Archil, merci. Si tu veux vraiment faire le bluffeur, faut faire à chaque appui. 1, 2, 3, 5. Là on est carré. Mets-moi un casque, je vais hit quelqu'un. Tu sens le blé remonter. Ils sont. On va vous apprendre à attraper la balle. T'as pas de protection. Donc quand tu veux arrêter quelqu'un dans sa course, qu'est-ce que tu fais? Tu le... Des flags. Ah, je me sens à poil là. Tu te la pètes et tu le lances et il va la récupérer. Si t'es sympa, tu déflagues, tu poses par terre. Eh, posez par terre vous. Je vais pas aller chercher un carpentier. Il va partir avec au tram lui. Dans le... Ouais, bon, ça va être chiant ça. Ça, je pense, ça va être chiant le micro. Vas-y, go. Ouais. Vas-y, défends maintenant, défends. Ah, mon mic. J'ai attrapé le micro, wesh. Quel mic? Au calme. Hey, j'ai une nouvelle manière de courir la pause, j'ai trop envie de l'essayer. Ah ouais? Un truc au changement, je fais semblant que je fais un corner et je repars. Oh, j'ai tellement envie de l'essayer. Tu redescends et sur Instagram, ça doit être pas mal. Au foot, t'as pas le temps. Ah, Maï, je suis gaze. 4, 1. Tout ce que tu veux, c'est que c'est ton pied droit qui fait le changement de direction. Tu veux pas que ce soit sur le pied gauche que tu changes de direction. Juste pied droit pour changer. Après, ton départ, etc., tu fais ce que tu veux. Go! Wesh, Ryan, wesh! Balle. 7, 8! Balle. 7, go! C'est le meilleur. À 3 les chevilles de la coach, à 3 les chevilles de la coach. 1, 2, 3 les chevilles de la coach. En plus elle est en crampon, t'as vu ça. J'ai besoin des vues, prends ta licence. Mais en plus en termes de mobilité de hanche, je suis vraiment injouable. Vas-y montre-moi. J'essaye.
Fais-moi un mouvement de hanche. J'attrape. Ah oui, ça va. Aïe. Allez, c'est parti. Premier play, première action. Eddie, rapproche-toi un peu. Donne-toi de l'espace à l'extérieur. C'est... Go. Vas-y, Eddie. Let's go. On avance. Tu fais 3-4 pas et à l'extérieur complet. 90 degrés. Donne de l'espace à l'extérieur, toi t'es trop proche là. C'est à mon go. Ready. Go. Vas-y. Oui. Regarde. Ma main. Venez, on joue. Regardez. Il demande la VAR alors qu'on est un city stade. Allez, alignez-vous là. T'as pas de snapper. Oh là là. Allez, tout ça pour ça, toute cette mise en place. C'est parce que le mec il est gay, ça c'est un autre débat. Mais maintenant, pourquoi lui il est proche, comment c'est... J'ai le droit, je fais ce que je veux, je te passe pas la nuit. Troisième down, on les sort. Non, il est out. On dirait ici là. Hein? Je t'ai dit, c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Connard. Voilà, c'est trop mal. Tu veux un tracé long? Ouais, mais c'est plus simple de te la distribuer et que tu joues ensuite plutôt que lancer un tracé long au milieu de toutes les caméras et tout le bordel. Deux out et deux de tout droit. Reste proche de nous, je t'inquiète, je te place. Est-ce qu'on est bon? C'est... Go! C'est la coach qui m'a dit. Elle m'a dit elle va être libre. J'ai même pas eu à penser. Ah, Nyon sous-côté, hein. Elle est forte en sport, de fou furieux. Ça fait la timide des fois. Ouais. La célébration, c'est ça au foot américain. La célébration prend autant d'énergie aussi, t'as vu? Ouais, t'as vu la célébration. Go. Allez, Samy. T'as vu, elle jump pass. On a encore deux. Tout à l'extérieur, tu te rappelles de la slant? Alors c'est 3 pas et 45 degrés. Toi, t'es à l'intérieur, tu vas tout droit. Fais-moi une slant. 1, 2, 3, soit. That's too easy, man. J'arrête de jouer, c'est incroyable. Trop facile. 7, go. Il fallait que j'envoie un truc comme As. Il fallait que je l'envoie comme ça, sinon ça se fermait. Il fallait que je l'envoie comme ça. Eh, hey, y'a pas les bails des gants où tu fais As, ça fait un motif de ouf? Ouais. I. Non, mon gars, t'as pas de motif. Fin de vidéo, c'était incroyable, ils ont découvert le foot, abonnez-vous. C'est tout, je sais pas quoi dire. C'est toi MVP? Bien sûr. Vas-y, donne tes stats. J'ai rien marqué. Mais demande au coach, attends. Okay. On a gagné tous les matchs, non, on a perdu un match. Non, on a fait l'égalité, pardon. À vous, nous on était efficaces. Non, c'est nous, on avait pas nos bases, sinon vous auriez éteint. Dis-leur, abonnez-vous. Abonne-toi.